Laser, aujourd'hui on se retrouve une vidéo sur Minecraft les gars. Alors aujourd'hui les gars, c'est une petite annonce que je vais faire qui a peut-être plaire à quelques personnes. Donc du coup sur Minecraft, donc je n'avais pas encore parlé, ça doit faire peut-être une semaine que je suis dessus. J'ai travaillé vraiment tout seul dessus les gars. Donc j'ai créé un serveur PlayStation les gars. Si vous voulez, ce serveur c'est un peu comme un serveur PC les gars. C'est un serveur mini-jeu où bon là on a déjà 4 jeux du coup. Ils sont pour l'instant en bêta. Du coup déjà je vais vous faire visiter le serveur. Et du coup j'annonce aussi que voilà, donc je cherche des builders architectes quoi, des modos admin et un cofondateur pour le serveur. En gros, je cherche autant de builders qu'il faut, hein, enfin maximum 5. Donc mettez dans les commentaires, moi je veux être builder. Donc ce serveur déjà il est sur PS4. Donc je mettrai mon pseudo dans la description, hein. Vous m'ajoutez sur la PlayStation, vous mettez un message, vous mettez voilà, j'aimerais être builder sur ton serveur ou cofondateur, soit. Donc on va commencer. Du coup, voilà, on va monter comme ceci. Voilà. Du coup, on a 4 modes de jeu. Le dé à coudre, le no fall, le CTF et le rush. Bon, je vais un peu vous expliquer chaque mode de jeu. Donc, le but du dé à coudre, vous êtes sur une grande plateforme en l'air, en fait. Et vous devez sauter. Vous devez sauter, oui, et ratterrir dans l'eau. Et quand vous avez ratterri dans l'eau, vous devez mettre un bloc. Et en fait, à la fin, l'espace d'eau sera réduit, en fait, puisqu'il y a des blocs qui vont s'y ajouter. Et le but, c'est de survivre à chaque fois en ratterrissant dans l'eau. Donc, voilà. Donc, le rush. Le rush, bon, c'est assez compliqué à expliquer. Donc, si vous voulez, le rush, c'est deux plateformes en obsidienne, en hauteur, voilà. Où sur chacune des plateformes, donc, vous avez des blocs. Il y a un middle. Vous devez rusher le middle pour déjà avoir du stuff et tout ça. Et le but, c'est d'aller faire exploser le lit de l'adversaire, en fait. En gros, vous devez faire un pont vers votre adversaire pour faire exploser son lit. La première équipe qui fait exploser le lit de l'autre a gagné. Alors, maintenant, le CTF. Donc, le CTF, ça veut dire capture de fall, hein, c'est des abréviations. Du coup, le CTF, en fait, c'est tout simple. Désolé, je m'emmêle dans mes mots. Chaque équipe a un drapeau. Un drapeau, je sais pas, c'est un bloc de laine ou quoi. Par exemple, il y a une équipe bleue, une équipe rouge. L'équipe rouge doit aller choper le drapeau de l'autre équipe et le ramener à sa base. La première équipe qui ramène le drapeau de l'autre équipe à sa base a gagné. Et le No Fall, enfin, c'est un jeu créé par moi en fait, hein. Enfin il me semble, hein. Enfin, il existe déjà comme mode de jeu, mais bon, j'ai changé le nom. Enfin, si vous voulez, vous êtes sur une plateforme en l'air, hein, avec une canne à pêche Knockback 2 et une pelle Knockback 2, et le but est de faire tomber son adversaire. Voilà, du coup, je vous ai expliqué les 4 modes de jeu. Donc voilà, ici on a une petite tour japonaise. Donc voilà, c'était vraiment juste une petite vidéo annonce, les gars, pas bien longue. Hein. Donc je vous dis, je recrute donc 5 builders, un cofondateur, 2 admins et 3 modos, les gars. Voilà. Donc vous mettez dans les coms de cette vidéo, les gars, si vous voulez participer donc à ce projet. Donc voilà. Un serveur Minecraft PS4. Hein. Du coup, franchement, si vous avez trouvé ce serveur assez bien, mettez un like. Franchement, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. Hein. Donc, n'oubliez pas, les gars, de mettre des commentaires. Si vous avez un débat à faire, je me mêle encore dans mes mots. Donc, voilà, les gars. Donc, je vous dis bye bye tout le monde. Allez, bye bye.